Alors, je vais vous parler donc de la question des bilans psychologiques en situation transculturelle. D'abord, en guise d'introduction, je voudrais dire que c'est une question qui est de plus en plus fréquente aujourd'hui. La multiplication des mouvements migratoires a pour conséquence que les psychologues reçoivent de plus en plus souvent des patients d'origine culturelle variée, notamment pour des bilans. La question se pose alors de la validité de leurs outils en situation transculturelle et des procédures de passation et d'interprétation les plus adaptées. Au début de la psychométrie et jusque dans les années 60, les psychologues ne se préoccupaient pas du tout des facteurs socioculturels, car ils étaient convaincus de l'innéité des différences individuelles dans les capacités intellectuelles. Cela a amené par exemple Godard, en 1909, à conclure que 80% des migrants européens qui arrivaient à Ellis Island, la photo c'est Ellis Island, représentait un retard intellectuel. Dans les années 60, des procès pour discrimination raciale obligent des psychologues à prouver que leurs tests ne discriminent pas arbitrairement. La question de l'impact du contexte socioculturel émerge avec la volonté de créer des tests culture-free ou culture-fair. Cela sera rapidement abandonné car l'intelligence est un concept fondamentalement lié à la culture. Alors d'abord un petit point sur les données du problème, donc quels sont les biais culturels qui peuvent exister dans les évaluations. Concernant la mesure de l'efficience intellectuelle, il faut s'arrêter d'abord sur le concept d'intelligence lui-même. On peut considérer qu'il existe à la fois une définition profane et une définition scientifique de l'intelligence. La définition profane, qui est celle que tout un chacun peut avoir en tête qui n'est pas spécialiste, varie beaucoup d'un contexte culturel à l'autre, regroupant un ensemble de compétences propres à chaque groupe. Ces valeurs impactent notamment le développement des enfants sous l'influence des attentes parentales. La définition scientifique est née dans un contexte culturel spécifique et concerne un ensemble de compétences particulièrement utiles et valorisées dans les sociétés industrialisées et développées. Les capacités d'abstraction, de raisonnement et de logique y tiennent une place importante. De fait, les mesures du quotient intellectuel ont une validité prédictive solide, c'est-à-dire qu'ils sont corrélés à la réussite scolaire et professionnelle dans les sociétés industrialisées. Mais certaines compétences valorisées ailleurs peuvent desservir un sujet au test de QI. C'est le cas, par exemple, de la minutie, qui est très valorisée dans certaines cultures et qui peut ralentir et entraîner des résultats moins bons au subtest chronométré. C'est le cas aussi de l'humilité, qui peut amener à ne pas toujours montrer ses compétences. C'est le cas enfin des sociétés où la référence au collectif et aux connaissances partagées prévalent sur l'individu, ce qui peut amener un sujet à être dérouté de devoir exprimer son individualité, ses pensées ou idées personnelles non validées préalablement par le groupe. Pardon. Désolée. Ainsi, le concept scientifique d'intelligence est lui aussi indissociable de la culture qui le définit, et les individus s'entraînent plus ou moins, selon leurs valeurs et leurs opportunités, à développer telle ou telle compétence. Néanmoins, il faut noter que le concept d'intelligence tel qu'il est mesuré par les tests concerne un ensemble de dimensions dont la structure factorielle est stable d'un contexte culturel à l'autre. Le QI verbal et le QI performance, donc du WISC-4, varie par exemple à peu près pareil, quelle que soit la culture du groupe étudié, ce qui donne une certaine universalité à cette mesure, sans pour autant résoudre la question du choix des compétences qui sont mesurées. Certains chercheurs évoquent l'idée que les tests de QI évalueraient un degré de participation à une culture scolaire, de plus en plus diffusée dans le monde avec la mondialisation. Tout dépend néanmoins de quelle école on parle, parce que certaines écoles, par exemple les écoles religieuses, peuvent développer davantage des compétences en mémorisation, des capacités d'introspection ou maîtrise de soi. Je pense par exemple aux écoles coraniques. Moi, dans ma pratique, j'ai assez souvent des enfants qui ont un parcours dans ce type d'école. Et elles reflètent donc ces compétences-là, une conception d'intelligence différente de celle des concepteurs de tests. Ah bon, je vais parler plus dans le micro. Par ailleurs, les tests peuvent comporter des biais méthodologiques qui concernent différents aspects liés à l'interprétation et à la passation des tests.
Les biais d'échantillon existent lorsque les normes utilisées par une personne appartenant à un groupe minoritaire ne sont pas appropriées car elles n'ont pas été développées à partir d'individus appartenant à ce même groupe. Par ailleurs, il existe des biais d'administration liés à la situation de test elle-même ou aux problèmes de communication. Ainsi, la situation de tête-à-tête dans une pièce fermée est très inhabituelle dans certains contextes et peut provoquer une gêne importante. La distribution implicite des rôles sociaux compte aussi et la situation peut être déroutante, par exemple pour un enfant qui n'a pas l'habitude de prendre la parole face à un adulte. Enfin, les différences linguistiques et le niveau de compréhension dans la langue de passation peut avoir, bien sûr, un impact important. Enfin, les biais peuvent concerner un item particulier, si la probabilité de réussir varie selon l'appartenance à un groupe socioculturel. Ceux-ci sont le plus souvent liés à la familiarité avec le concept, le matériel ou l'objet présenté. À titre d'exemple, au WISC, reconnaître une borne incendie ou une luge, citer les quatre saisons, connaître le proverbe « quand le chat n'est pas là, les souris dansent », être sensibilisé au recyclage ou s'intéresser aux avantages de la liberté de parole en démocratie, alors qu'on sait que c'est un sujet qui peut être tabou dans certains contextes. Ces biais sont en fait les plus faciles à repérer et à éliminer, ce qui se fait généralement lors de l'adaptation d'un test à de nouveaux contextes. Malheureusement, ce travail d'adaptation n'est pas pratiqué pour beaucoup de groupes culturels, notamment parce que ce sont des procédures lourdes et chères. Nous avons donc assez rarement des versions adaptées à notre disposition. Le travail d'adaptation pose aussi la question du regroupement en échantillons représentatifs pour les étalonnages. Beaucoup de nuances culturelles existent au sein d'un même pays et il y a parfois des différences importantes entre citadins et ruraux, par exemple. Il est difficile de choisir où tracer les limites pour constituer des groupes suffisamment homogènes sans pour autant construire une infinité d'étalonnages. La question se pose aussi pour l'ancienneté de la migration et les personnes ayant plusieurs appartenances culturelles. Les enfants de migrants, par exemple, qui sont nés ici, mais dont les parents sont venus ailleurs. Scolarisés dans le pays d'accueil de leurs parents, ils sont français, mais ont également grandi dans la langue et la culture de leurs parents, ce qui peut influencer leur réalisation au test. Par exemple, une étude réalisée sur les spécificités culturelles dans la reproduction de la figure de raie chez les enfants de migrants en France a montré qu'on retrouvait chez eux les mêmes spécificités, quoique dans une moins grande mesure, que chez les enfants vivant dans les pays d'origine de leurs parents, ce qui influence les résultats. Ainsi, s'il existait davantage de versions adaptées des tests, le choix de la bonne version administrée pour chaque sujet ne serait pas donc pas si simple à choisir, à faire. Enfin, concernant l'étude de la personnalité, la plupart des outils utilisés en France sont des épreuves projectives. Étant donné l'intrication entre psychisme et culture, les réponses fournies par un individu sont alors des projections de données autant culturelles qu'individuelles. Les épreuves projectives peuvent d'ailleurs être utilisées pour informer sur les aménagements psychiques d'un groupe culturel, en recherchant les éléments communs dans les protocoles des membres de ce groupe. Des études comparatives ont été effectuées dans de nombreux pays, que ce soit pour le Rorschach ou le TAT notamment, montrant une variabilité de normes, sans que cela ne remette en question le principe de la projection ou la théorie générale de la personnalité utilisée pour l'analyse, mais pour autant qu'elle soit contextualisée. Lorsque le but est d'éclairer le fonctionnement d'un sujet, l'interprétation devrait donc prendre en compte tant les problématiques individuelles que collectives, ce qui est difficile lorsqu'il n'y a pas de normes et sans un interprète à même de fournir des renseignements sur les éventuels sous-entendus culturels ou les éléments de contexte. Par ailleurs, le support de projection n'est pas neutre. Lorsqu'il s'agit d'images, rappelons qu'elles sont investies différemment d'un ensemble culturel à l'autre. Dans l'islam, par exemple, la représentation de la figure humaine constitue un interdit. Dans le vaudou haïtien, les images sont vénérées et craintes, car elles ont chacune une âme bienfaisante ou malfaisante. Les actes de divination, par exemple, peuvent passer par une phase d'interprétation d'une image sous une forme qui ressemble beaucoup à la passation d'un test projectif, qu'elle peut rendre inappropriée, voire effrayante. Les contenus des images peuvent également comporter des sous-entendus culturels. La chauve-souris, qui est la banalité de la deuxième planche du Rorschach,
est, dans le monde de croyances bambara, l'une des figures que peut prendre une sorcière mangeuse d'hommes. Je l'ai mis dedans. De même, la nudité de certains personnages du TAT peut paraître transgressive. Ici, c'est la femme qui est en arrière-plan de la planche 4. On ne voit pas très bien parce qu'elle est floutée également dans la planche. Enfin, toutes les sociétés ne valorisent pas l'animal de compagnie. Et chaque espèce est le support de représentations très variées, ce qui peut influencer les réponses au TAT. Là, j'ai mis l'exemple du chien, qui est un des animaux qui a le plus de représentations diverses selon les cultures, parfois un animal très apprécié, parfois au contraire très rejeté. Enfin, la couleur de peau des personnages du TAT peut avoir un impact. Les personnages sont tous blancs et représentent donc une société non métissée. Les enfants, les migrants ou les enfants de migrants, ne se reconnaissant pas dans les images présentées, peuvent se sentir exclus des pratiques du psychologue, entravant le sentiment d'être compris ou de pouvoir l'être. Des personnages blancs peuvent également renvoyer à la figure de l'autre, parfois du persécuteur, du colon, comme cela a été décrit par exemple en Haïti. C'est pourquoi il y a actuellement une tentative de reprendre les planches du TEMAS, qui est un test qui date des années 80 aux États-Unis, en créant, comme ça a été fait en Italie, une version multiculturelle avec des personnages aux couleurs de peau variées et un contexte urbain. Voir si ce matériel de test pourrait être plus adapté avec certains enfants. Voilà, donc maintenant, quelles sont les idées de solutions que les chercheurs ont pu avoir? On va essayer de faire un petit état des lieux des solutions parfois proposées. Oui, d'abord, je voudrais dire que, du coup, pour toutes ces raisons qu'on vient de voir, l'évaluation de l'intelligence en situation transculturelle pose souvent des problèmes éthiques importants aux psychologues qui s'interrogent sur la bonne stratégie à adopter lorsqu'ils reçoivent des patients d'une autre culture que la leur. Il y a différentes stratégies face à ce problème-là. Certains refusent toute passation pour éviter de faire des erreurs d'interprétation, mais ils excluent alors toute une partie des patients de leur pratique. D'autres bricolent, entre guillemets, souvent en culpabilisant d'ailleurs, en modifiant certains items, en s'arrangeant avec certains résultats, mais ils se basent pour cela principalement sur leur propre intuition. Enfin, certains effectuent des passations classiques, mais en émettant un doute dans le compte-rendu sur la pertinence de leur interprétation, étant donné les biais, ce qui présente l'inconvénient, quoi qu'il en soit, de mettre noir sur blanc des conclusions dont ils ne sont pas complètement sûrs. Ainsi, aucune de ces solutions n'est vraiment satisfaisante. Alors, une première stratégie assez courante pour son attrait intuitif est de privilégier les épreuves non verbales, en ayant ainsi le sentiment, en évitant les problèmes de traduction, d'éliminer en même temps l'impact de la différence culturelle. Mais attention, une évaluation du fonctionnement cognitif qui ne prend pas du tout en compte les compétences verbales manque beaucoup de validité et d'intérêt. Les sujets allophones peuvent bien sûr tout autant avoir des compétences verbales que les autres, et il est problématique de ne pas en tenir compte et de s'en tenir à une évaluation tronquée. Par ailleurs, de même que pour les épreuves verbales, les réalisations aux épreuves non verbales varient d'un groupe culturel à l'autre, du fait généralement de différences de stratégie d'exécution face aux tâches. Par exemple, la figure de Ray que j'ai mis là, elle n'est pas réalisée exactement de la même manière selon le contexte, selon le pays dans lequel elle est passée. Par exemple, là, j'ai mis des exemples en France et au Burkina Faso. En France, la méthode par juxtaposition d'éléments est plus fréquente que dans d'autres pays. À l'inverse, au Burkina Faso, on a beaucoup de méthodes comme ça, tourner la figure à la verticale, parce qu'elle ressemble un peu à une maison, souvent, pour la mémoriser plus facilement. Mais ça entraîne, du coup, une tâche un peu différente, et ça a des impacts sur la réalisation, sur les résultats à la fin, quoi, sur la qualité de la reproduction. Donc, ça montre bien que les preuves non-verbales sont aussi marquées par le contexte culturel. Autre proposition, soutenue notamment lors de la conférence de consensus en 2005, est d'évaluer la qualité du bilinguisme et le degré d'acculturation préalablement à l'examen. En fonction des résultats, on pourra alors décider de la pertinence ou non de faire passer les tests et éclairer le choix des outils et la procédure d'administration avec l'interprète ou non. Cette étape est indispensable en situation transculturelle.
Le seul inconvénient, c'est qu'en pratique, il est souvent difficile d'évaluer l'acculturation d'une personne, d'un enfant. Le concept lui-même est assez discuté par les chercheurs. Et lorsqu'on connaît mal un sujet, il y a peu d'échelles, peu d'outils qui sont adaptés pour l'évaluer. Autre proposition, initiative, celle de Flanagan et ses collaborateurs, qui ont développé une procédure qui vise à évaluer la répercussion des facteurs culturels et linguistiques sur les performances au test. Ils ont construit un outil, le CELIM, pour Cultural Language Interpretative Matrix, qui classifie les subtests sur 3 niveaux, selon 2 critères. D'abord, l'influence de la demande culturelle, c'est-à-dire l'importance de la participation à la culture des créateurs du test, et ensuite l'influence de la demande linguistique, c'est-à-dire la maîtrise de la langue de passation, sur les performances. Par exemple, ils vont conclure que les épreuves barrage ou matrice des échelles de Wechsler possèdent une demande linguistique forte et une demande culturelle faible. Ensuite, le praticien évalue si les performances de la personne examinée déclinent avec l'augmentation de la demande culturelle et de la demande linguistique. Si les performances ne diminuent pas au fur et à mesure de l'augmentation de la demande culturelle et linguistique, on pourra faire l'hypothèse que ces facteurs ne sont pas à l'origine des performances du sujet, et on pourra donc affirmer plus solidement les conclusions. C'est un outil qui est effectivement assez intéressant à utiliser dans ces cas-là. Enfin, lorsque on n'a aucun test à sa disposition qui peut être utilisé de manière valide, parce qu'on n'a pas d'étalonnage, parce qu'on sent que le test n'est pas du tout adapté, parce qu'il y a des problèmes de compréhension, pour plein de raisons, rien ne remplace finalement les observations qualitatives en présence d'un interprète médiateur de préférence qui aide à prendre en compte les éléments de contexte susceptibles d'influencer les réponses au test. En l'absence d'études préalables sur un échantillon représentatif, l'utilisation des étalonnages est source d'erreurs d'interprétation. Un travail de description des compétences, comparé entre elles, ainsi qu'une observation des stratégies de résolution, autant que du résultat, semble être la seule procédure vraiment utilisable. Il est possible aussi d'apprécier la sensibilité de la personne à une situation d'apprentissage par une passation dynamique, en ajoutant à la passation standardisée des moments d'explication. Ainsi, sans exclure les patients étrangers ou d'origine étrangère de la pratique des tests, une évaluation qualitative, clinique et contextualisée, à même de décrire un fonctionnement, peut trouver sa place. Mais il faut alors accepter de perdre en précision et de s'en remettre à l'expérience et la sensibilité du psychologue. Enfin, faire passer un bilan avec un interprète peut permettre d'éviter des erreurs de compréhension et d'avoir accès à des indications précieuses sur l'influence éventuelle du contexte culturel. Par ailleurs, pratiquer un bilan en introduisant cette diversité culturelle et linguistique peut être une première étape dans le soin aux enfants de migrants qui feront alors l'expérience d'être reçus dans leur diversité culturelle, avec leur diversité culturelle, et pourront peut-être plus facilement puiser alors au moment du bilan, dans l'ensemble des représentations qu'ils ont intériorisées, sans se couper d'une partie d'eux-mêmes, comme c'est souvent le cas. Faire un bilan en introduisant les deux langues est ainsi une manière de se mettre à l'écoute tant de ce qu'ils sont et ont appris chez eux, auprès de leurs parents, qu'à l'école. En conclusion, rappelons que toute démarche clinique implique une ouverture vers l'altérité du patient, qu'il faut éviter de ramener à soi et à du connu. En situation transculturelle, la différence est d'autant plus manifeste et la prise en compte des éléments contextuels est essentielle, ce qui rend la pratique de l'examen psychologique plus complexe et invite à la prudence et à la finesse clinique. Étant donné qu'aucun test ne peut être dépourvu de facteurs culturels, il est essentiel de garder à l'esprit leurs limites, d'éviter le recours aux étalonnages quand ils ne sont pas adaptés, pour utiliser plutôt une analyse qualitative et toujours chercher à contextualiser les interprétations. Voilà, merci pour votre attention.